La Repubblica Togolese. Neste momento, fará uso da palavra o embaixador. Recepcionista Michel Ernesto, Ernesto. Je voudrais te remercier pour l'accueil qui s'est réservé pour cette visite ici à Brasilia. Comme vous le saviez, nous avions un programme national de développement au Congo. Et nous souhaitons et nous réjouissons que le Brésil vous ait accepté qu'il y ait un forum économique entre le Congo et le Brésil, ce qui permettra à nos hommes et nos femmes d'affaires du Brésil qui veulent investir sur le continent africain, c'est particulièrement pour Togo, découvrir le Togo à travers les trois axes de santé et de riche. Donc nous pensons que c'est un acquis, comme vous l'avez souhaité, la date et le lieu sera déterminée. Mais nous sommes prêts à ce que ce forum économique soit présidé par le président de la République togolaise, qui sera au Brasilia ou dans le lieu que vous allez désigner, pour présider nous-mêmes ce forum économique et présenter les opportunités d'affaires que nous avons au Togo, en tant qu'affaires du Brésil. Nous sommes également heureux d'être comptés parmi les pays africains, du moins c'est le premier, à vous soutenir officiellement pour votre position au membre non permanent du Conseil de sécurité que vous souhaitez avoir pour 2022-2023. Et nous nous réjouissons également que la question de sécurité maritime et de sécurité en général soit une préoccupation que le Togo partage avec notre Brésil. Sur ce, je vous remercie une fois de plus pour la volonté de la régionalisation de la coopération entre le Brésil et le Togo et espère vous retrouver pour une visite officielle. Vous allez arriver à l'ONU. Vous n'avez pas voulu le dire, mais je l'ai dit, vous êtes invité à l'ONU et nous espérons vous accueillir à l'ONU pour une visite officielle. Merci, monsieur le président.